Mais j'ai tout foutu en l'air, Andy. J'ai tout raté. Il n'y a que toi qui me retiens. Sans toi, j'y arriverai pas. Il le faut, Mélissa, accroche-toi, je t'en supplie, tiens bon. Je n'aime plus la vie que je l'avais. Peut-être que toi et moi, et seulement nous avions pu. Formidable, hein, cette pièce. Hein? Comment vous avez trouvé? Ah, j'ai adoré. Alors, regardez, elle est là. Elle est incroyable. Moi, ouais, elle m'a marqué dans Fantomas. Ah oui. Avec De Funès. Oui, ce qui est génial, c'est qu'elle est capable de jouer dans les grandes comédies populaires, mais aussi dans les films d'auteurs super pointus. Oui, c'est pour ça. C'est absolument elle qu'il nous faut pour le colloque. Grave. Mylène Desmocho, de notre fac. C'est le moment d'y aller, là. Moi, j'y vais. Elle va être trop contente de vous revoir. Julia? Non, je connais pas de Julia, moi. Mais si, on s'était vu à la fête de fin de tournage d'Emmanuel Berco. Comment voulez-vous que je me souvienne, il y avait un monde fou? Non, ok, c'est pas grave, hein, je le prends pas mal. Moi aussi, parfois, j'ai des trous de mémoire, c'est pas qu'une question d'âge. Hein. Mais enfin, c'est mon métier d'avoir de la mémoire. Ah non, désolée, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, non. Non, au contraire, je venais vous demander complètement autre chose. Allô? Y a personne à la maison? Mais qu'est-ce qui nourrit les animaux, alors? Mais qu'est-ce que vous vouliez, vous, en fait? Vous demandez de faire une sorte de colloque. De colloque? Moi? À mon âge? Mais vous plaisantez, non? Excusez-moi. On n'a pas besoin de vous en voir, on peut avoir un... Alors? Elle a dit quoi? Ben oui, ça y est, elle a accepté. C'est pas vrai? Mais non. Sérieux? Si, si. Elle t'a même offert son bouquet, quoi. Non, en fait, ça c'est son bouquet, elle l'a oublié. Et moi, faut que je lui rende, donc je vais l'attendre là. Et puis. Elle a eu une urgence. Bah, moi, je vais lui apporter les fleurs. Qu'est-ce que vous voulez encore? Oh, bah, gardez-les, je vous les donne, j'ai trop de problèmes. Mais tu sais bien qu'il n'y a plus de train, sœur-ci, puis moi, j'ai pas de voiture. Ah, bah, j'ai une voiture, je peux vous aider? C'est vrai? Oscar, bougez pas, j'en ai pour une minute, hein, Mylène. Tu peux me prêter ta voiture une heure, s'il te plaît? Pardon? Ouais, allez, je t'expliquerai. Première étape, donc on a juste le siège. Deuxième étape, les rétros. Ok, la ceinture. Et vous aussi, s'il vous plaît, la ceinture, hein, bien. Vous pouvez rentrer votre adresse dans le GPS, s'il vous plaît. Bien sûr. Oh là, le frein à main! Ah oui, pardon, j'ai oublié. Vous êtes sûr que vous savez conduire? Oui, c'est juste que j'ai eu mon permis la semaine dernière, donc j'ai pas encore tous les réflexes, mais ça va aller. En Mayenne? 3 heures de route? J'avais pas prévu ça. Mais pourquoi les essuie-glaces? Pardon, j'ai confondu avec les clignotants, excusez-moi. En tout cas, je voulais vous dire, Mylène, hein, tout à l'heure, vous étiez vraiment impressionnante, hein, au théâtre. Bah moi, j'ai démarré dans l'ascenseur de Salem, puis après j'ai fait plein de comédies, Fable Fab, Fantomas... Oh, Fantomas, j'adore, oh là là, tellement de chance. Vous avez été dirigée par Louis Feuillade, quoi, c'est dingue. Feuillade, c'est le metteur en scène du premier Fantomas en 1913. Vous me prenez pour un dinosaure? Non, je suis désolée. Sinon, tout à l'heure, vous savez, enfin je sais que vous avez dit non, hein, mais mon prof aimerait quand même vraiment bien qu'on fasse ce colloque là sur la représentation de la femme dans le cinéma français au XXe siècle. Mais... C'est un peu compliqué à expliquer, là, mais... Ah merde, t'es encore devant le théâtre, là, Oscar? Oh putain, je suis désolée. Je pouvais pas prévoir que Mylène habite en Mayenne. Oh putain, attends, le connard, y'a un truc qui se passe grave, j'arrive. Oh, stop! Pardon? Vous voyez que je vous ai pas vu, là? Attachez votre chien, vous voulez l'abandonner, c'est ça? Pas la tête! Eh, mais c'est dégueulasse! Mais quoi je me mêle, les gonzesses? Non, mais t'es pas sérieux, là? Espèce de lâche! Oh. Ouais, mais t'as vu comment tu nous parles, là? Mais va te faire foutre, connard! Ouais, mais connard! Tu me laisses pas là! Putain, mais j'y crois pas, il se barre! Connard! Enculé, espèce de merde! Putain! Ouais, je suis désolée, Mylène, mais là, ça me rend ouf! Mais c'est vachement bien, t'as raison! Enculé! T'as bien fait de sauver ce chien, il a l'air vachement gentil. Ah non, mais je pouvais pas le laisser là comme ça, c'est dégueulasse d'abandonner un chien. Ah,
Pourquoi il aboie là? Il est énervé? Mais non! Il est content! Ça y est, on est arrivé! Allez, au revoir, Mylène. Bah, qu'est-ce que tu fais? Mais tu veux pas te reposer un peu? Non, c'est bon, merci, vous inquiétez pas, Mylène. Au revoir. Julia! T'as oublié le... Julia! T'as rien? Ouais, c'est bon, rien de grave. Mais qu'est-ce que t'as fait encore? J'ai confondu les phares et les clignotants. Mais... Bon, bah, ça va pour ce soir. Allez, viens, tu couches à la maison. Allez, suis-moi. Ça t'ennuie de donner la gamelle au pauvre chien? Non, c'est gentil. Vous avez plus le feeling, vous, avec les bestioles. Hein. Pourquoi, t'as peur? Ah non, c'est pas ça, mais juste... là, moi, j'ai un texto urgent à écrire, en fait. D'accord. Tiens, mon pauvre chien. Mange. Tes bestioles. Je rêve. Tiens, tu vas ramener ça à Paris. Ah. Ma part. Merci. Je tout ferai ce matin. Attention, ça casse. Écoute, si je peux faire quelque chose pour toi, surtout, n'hésite pas. Bah, justement, je sais que vous avez déjà dit non, hein, mais si vous acceptiez quand même de participer à ce colloque... Non, je sais que c'est galère et tout. Non, je... Excuse-moi, j'avais compris une colocation. Bonjour, ah, un colloque, mais bien sûr. Oh là là, Mylène. Qu'est-ce que... Bon, on peut prendre une petite photo, là, avant que je parte? Et c'est quand? Ben... Demain, quoi. Demain? Vous savez que c'est limité à 90, hein, sur les départementales, Mylène. Oui, je sais. Et comment tu vas l'appeler, ton chien? Mon chien?